Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission Le Magicien des couleurs. Aujourd'hui, on va s'amuser avec beaucoup, beaucoup de choses sur un tableau. Qu'est-ce qu'on fait avec des couleurs? On s'amuse, on étire les couleurs, on les installe comme ça. Ils sortent du vert au travers, dans le ciel, parfait. On continue. Là. On s'est fait un petit peu de jaune, pourquoi pas? Un peu de jaune. Du jaune dans le ciel. Un peu de rouge. On y va avec du rouge qui devient rose, même en partant. On mélange le rouge avec le jaune, pourquoi pas? Ah, ça devient orange. Excellent. On continue d'étirer les couleurs. Du bleu? Bleu turquoise, on essaie ça. Hein. Ah, ça donne bien. On va l'installer pour pas qu'une toile tombe. C'est bien solide. Là. Excellent. On continue d'étirer les couleurs. Là. Le bleu se renforce. Un autre bleu, le bleu indigo. Un bleu avec du gris à l'intérieur. Là. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre toujours du bleu avec du gris. Là. Un autre pinceau, du bleu avec du gris et même il y a du vert dedans. On l'étire quand même. Là, on étire. On étire ça ici. Là. Indigo, gris de pin, terre verte. Blabla, comme ça. Bon, parfait, c'est bien ça. On rassemble ça ici. Ouais, ça va. Ça peut avoir de l'allure, comme ça. Ouais, encore mieux. À l'autre bout. Spatule. Bingo. On fait ça. On lui donne la forme. Ha! Ça, j'aime ça. Terre d'ombre brûlée, gris de pin et bleu indigo. Vroom, badaboum. Là. Comme ça. Bleu indigo avec du gris de pin. Encore plus haut, celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ou même ici? Ouais. Ouais, ça c'est pour plus tard. Ça va bien. On va y aller avec quoi? La spatule. La spatule. On tape et on fait fondre le blanc dans le vert gris-bleu. On fait fondre les couleurs. Le blanc va devenir condensation dans le bas. La neige va disparaître
et la température plus chaude va faire ressortir les couleurs du ciel et faire ressortir aussi la brume, la condensation. Du bleu, lumière, du bleu excessivement pâle. En plus, le bleu lumière, je l'ai mélangé avec le blanc. Imaginez, il est devenu très, très, très pâle. C'est ça que j'ai besoin. Là. Une fois qu'on a fait ça, ouais, on aura peut-être une rivière à l'autre bout. Ah, vous devinez? Maintenant, le pinceau éventail. Le pinceau éventail, le petit. Le petit pinceau éventail. Terre verte. Toujours terre verte avec un petit peu de grid paint. Les arbres toujours en 90 degrés en verticale. Sont attirés vers les rayons du spectre solaire. Là. Au travers de ces couleurs, au travers de ces arbres, du vert jaunâtre, du vert jaunâtre, là. Avec le pinceau éventail. Là. Là, ça va bien. Maintenant, allons-y un peu plus haut, à quelques endroits. À quelques endroits seulement. Il n'y a pas de symétrie, ça va bien. On continue ici. On étire ici vers le bas.
là où la lumière ne passe pas vraiment. Dans le bas ici. On remplit bien le bas. On peut même utiliser du turquoise aussi, avec un peu de blanc. On mélange le foncé avec l'écume, le splash que ça donne. Là. Le champ de pression d'eau. Hein? À quelques endroits, la pression est plus forte. Le splash ici, ça va. Le reflet. Là. Le reflet, là aussi. On va refaire le reflet qui est devenu trop pâle. Pour ne pas revenir trop souvent dessus. L'eau en mouvement. L'eau en mouvement constant. Une écume plus forte à des endroits, moins forte à d'autres. Là. L'eau en mouvement, dans le haut. La même chose aussi, l'eau est en mouvement. Là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, attention, on plonge. Les couleurs, très fortes, très, très foncées. Ça paraît pire que c'est, une fois que les couleurs sont posées, on va pouvoir faire la lumière. On embarque par-dessus les roches. On embarque par-dessus la cascade. On rentre bien ici. Là. Avec du gris. Ici, j'ajoute un peu plus de vert pour ces feuillus. Là. Un modèle plus difficile un peu. Bien fun à faire. Quand on donne beaucoup de pression sur la toile, hein, c'est ça que ça donne. Voilà, pour faire tomber la toile. Là, maintenant, une fois qu'on a ça ici, on va peser moins fort. Ah! Commence! Il arrive, le modèle. C'est plus long faire le fond que faire la finition. Là, en bas ici.
De la lumière ici, alors, du vert jaunâtre, pour placer dans l'arbre. Non. Il y a un petit peu de rouge, de couleur de vie, du vivace. Ouais, comme ça. C'est ça, en avant-plan. Oui, mon ami. Dans l'avant-plan, c'est correct. Maintenant, on va travailler un peu de la spatule. On va étirer la couleur. Remplir ce qu'on vient de faire au pinceau. On est parti à la spatule, on a fini au pinceau. Gris de pin, gris foncé. Ici. Du reflet. Il n'y a pas de lichen ici, pas le temps de pousser, c'est mouillé toujours, l'eau est toujours sur les roches. Le lichen n'a pas le temps de pousser. Maintenant, de l'autre côté, sur l'autre côté ici, plusieurs m'ont demandé, c'est quoi je regarde? Souvent, je vous regarde, mais je regarde à côté aussi. Il y en a qui pensent que c'est un modèle. C'est pas le modèle, c'est le temps qui reste à peine. Comme là, c'est 9 minutes 48 secondes. C'est tout vraiment calculé à la seconde. C'est ça que je regarde par rapport au temps qui reste et ce qui reste à faire sur la toile. Alors, je négocie un peu avec le temps. Le temps qu'il reste. Là, comme ça. Une tente de conifères. Là. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on prend encore la spatule. Et on va polir nos roches. Là, il peut y avoir un peu de lichen. C'est la place parce que c'est plus haut. L'eau s'y dépose, mais pas de la même façon. Ici, l'eau est toujours constante en mouvement. Mais ici, l'eau n'est pas vraiment en mouvement. C'est les résidus de la chute qui vont se déposer. Ils vont déposer des molécules et des bactéries pour faire de l'herbe, faire des lichens et donner de la vie et avoir ce
ces arbres-là. Et puis d'autres sortes d'arbres aussi qui poussent. Là. Un peu de terre de sienne naturelle ou terre de sienne brûlée, c'est très bien, avec du blanc. Là, on a de la lumière, on a de la clarté, du vert, terre verte et vert jaunâtre. Terre verte avec le vert jaunâtre et même du jaune de camion qu'on mélange aux terres vertes qui va faire un vert de camion, toutes sortes de verts en fait, il y en a 3-4 sortes de verts. C'est correct, c'est simplement un peu d'ombrage au travers de la lumière, comme ça, là, ici. Il n'y a plus de lichen ici, c'est comme là. L'eau est en mouvement constant sur les roches. Le lichen n'a pas le temps de pousser. On peut avoir un peu de vert aussi, mais pas beaucoup, très peu, comme ça. Là. On dépose un peu aussi de clarté, un peu de lumière orangée, orangé vert. Là. On étire un peu ici vers le bas. On va croiser. On va déposer du blanc à la spatule. Voilà. On va même déposer ici de la roche en plein milieu de la cascade, au beau milieu de la chute. La spatule est excellente pour faire les roches. De cette façon, on étire un peu. On étire ici très légèrement avec un pinceau de 2 pouces pour faire la finition. Hein, très bien. Ah, maintenant, là, il n'y a pas de lichen, puis c'est vrai. Hein? Mais il y a de la clarté ici, de la lumière. Des arcs-en-ciel presque en tout temps. La lumière du ciel, les roches sont mouillées de par les chutes. On regagne un reflet venant du ciel qui donne de la lumière sur les roches. Ouais, comme ça. Ici, on va lui faire quelques branches qu'on entrevoit au travers des feuilles. Là, haha. Ici, dans une toute dernière étape, je crois bien, ici, à la spatule, de la lumière, de la clarté avec le vert jaunâtre, de la clarté sur nos arbres.
les conifères, les arbres qui viennent du lichen directement. Ah. Une belle place pour aller se baigner. Hein? À l'autre bout, on va s'amuser à l'autre bout de faire des petits détails. De la finition ici à la spatule. Un horizon très droite, là. Comme ça. On a la roche, l'eau qui splash alentour partout. Des grosses roches ici avec du lichen à certains endroits. Les arbres ici qui viennent du lichen. La couleur d'arc-en-ciel dans le ciel qui va donner quelques reflets sur nos éléments en bas. C'est pas la place tellement pour les oiseaux. Il y a des oiseaux là, oui. Mais c'est surtout un endroit pour la pêche. Ah! Eh oui! Peut-être aller s'asseoir sur la roche qui est ici avec un sandwich, un petit café et une canne à pêche. Hmm? On peut s'amuser avec les détails. On peut donner de la vie au tableau. Là. Du mouvement. Mouvement dans l'eau. Là. Vous pouvez visiter mon site web, lemagiciendescouleurs.ca. Plus de 1500 tableaux en galerie et du plaisir dans les couleurs. Je vous souhaite une belle semaine et bonne peinture tout le monde. Bye! TV, fier de faire rayonner notre communauté.